Je m'appelle Béatrice Thomas, je suis en fin de première année à l'ENS Rennes. Donc, j'ai grandi dans le sud de la France, donc près de Gardanne, donc c'est entre Marseille et Aix. J'ai fait un lycée classique de ma ville. Puis après en prépa, je suis allée à Lyon, à la prépa du Parc. En première année, j'ai fait une MPSI, et en deuxième année, une PSI. J'ai passé les concours de l'ENS. Le département mécatronique a l'opportunité d'être très pluridisciplinaire, qui permet de voir tous les domaines de manière assez poussée, et ce qui me permet à moi, qui est très indécise pour ce que je souhaite faire, de continuer à voir tout ce qui m'intéresse et ne pas avoir à choisir. Dans 2 ans, je vais passer l'agrégation, mais je ne sais toujours pas si j'ai passé l'agrégation en mécanique, en électronique ou en informatique. Moi, je fais partie du club jeu, et donc c'est aussi bien des soirées jeux de société, aussi jeux de cartes, jeux vidéo, mais aussi tout ce qui va être jeu de rôle, grandeur nature, dans les locaux de l'ENS, car pendant les week-ends, si on fait la demande, l'école peut prêter une partie de ses locaux. Je participe aussi à tout ce qui va être un peu administration de l'école, puisque je suis représentante des élèves au CA. Et ça montre bien que ce qui est intéressant, c'est que l'école est assez attachée à ce que pensent les élèves, puisque si je participe au CA, au début, c'est juste l'observation pour savoir ce qui se passe dans les conseils d'administration. Mais je participe aussi à d'autres conseils, donc j'ai participé au conseil de distribution de bourses à l'aide à l'international. Et donc on m'a sollicité pour donner mon avis si je pensais qu'une solution était juste par rapport aux élèves ou pas. Et j'ai pu ainsi me rendre compte qu'ils étaient vraiment intéressés pour que les étudiants partent à l'étranger, et ils voulaient vraiment tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent le faire.